Lundi 18 octobre 2021, tout le casting du nouveau film Marvel Les Éternels s'est donné rendez-vous à Los Angeles, à l'occasion de la grande avant-première mondiale du long-métrage tant attendu. Angelina Jolie, qui campe ici le rôle de Tena, était bien sûr présente sur le tapis rouge et est venue bien accompagnée. En effet, l'ex de Brad Pitt s'est entourée de sa progéniture et les enfants ont fait sensation face aux fans et aux photographes. Tous ont bien grandi et s'étaient parés de vêtements qui ont attiré les regards. Comme l'a expliqué la star au micro des Entertainment Tonight, ses enfants ont réutilisé seulement des anciens vêtements, qui n'étaient donc absolument pas neufs. Et celle qui a le plus tiré son épingle du jeu n'est autre que Zahara, désormais âgée de 16 ans. La jeune fille avait décidé de mettre une ancienne robe portée par Angelina Jolie. Il s'agissait de celle que la comédienne portait le jour de la cérémonie des Oscars en 2014. La robe avait été confectionnée par la marque Elie Saab. Force est de constater que l'habit allait aussi bien à la mère qu'à la fille, Angelina Jolie et ses enfants à l'avant-première des Éternels dans Les Éternels, les fans de super-héros découvriront une nouvelle équipe de puissants justiciers qui s'appelle Les Éternels. Ceux-ci protègent la Terre depuis la nuit des temps alors qu'eux-mêmes viennent des quatre coins de l'univers. Ils vont devoir se réunir à nouveau lorsque de terribles monstres, les déviants, réapparaîtront en menaçant l'humanité. Aux côtés des Angelina Jolie, on retrouve au sein de la distribution Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani ou encore Brian Tyree Henry.